Donc là, on a fait un confinement, deux confinements, et t'as trouvé ça seulement comme jeu. Ouais. Et ben on va voir si tu peux buzzer à 43 secondes. Il n'y avait pas de public, et là, d'un coup, il y a un public. Mais on va jouer avec le public, tu vas voir. On va voir, tu n'as pas la notion du temps. 43 secondes. C'est long, 43 secondes. C'est un exemple. Le plus proche de 43 secondes. Vas-y. Bah vas-y. Et tu me dis quand j'ai... Bah, faut un départ. Bah ouais. Je vais te le donner. Tu crois que ça vient comme ça? J'attends les informations. Il prend des Je crois que les gens vont commencer à s'apercevoir que je prépare pas l'émission. Alors ça, c'est pas vrai. Alors attention. Attention, on est prêt, ça s'appelle... Comment ça s'appelle ? Pile-poil. Alors... La notion du temps. Ok. Tu es prêt ? Un bon signal. 3, 2, 1, 43 secondes. Concentre-toi. C'est super passionnant. Et qu'est-ce qu'on fait ? On le regarde. Ça sent le cimetière, hein. Mais qu'est-ce qui se passe pendant 43 secondes? Je viens d'apercevoir que c'est nul comme jeu. Je me souviens en réunion, vous m'aviez raconté ce jeu. Mais on n'a pas pensé qu'est-ce qu'il fait pendant. On s'en fout. C'est trop. C'est la meilleure réponse. Passe-moi, amenez-moi de l'eau. Hey, pile poil le jeu. Attends, on peut le modifier. Attends. Il faut le mettre déjà. Au début, c'est genre en gros, tu lances une musique, tu danses pendant tout ce temps-là, et au bout, quand tu penses que c'est le temps, tu buzzes. Ah. Pas forcément danser. Pile poil, c'est-à-dire qu'on lance le chrono, tu fais ce que tu veux durant le temps imparti, mais tu dois t'arrêter pile poil. Ouais, mais... Du coup, on fait la réunion maintenant. On fait une petite réunion. Alors moi, sur... Alors j'ai vu, c'est complètement foiré. Alors moi, je partirais sur peut-être, on appuie. Non, il faudrait deux personnes en plus. Ouais, d'accord. Un mec qui donne le départ à un mec, l'autre mec qui appuie sur le bouton pendant 43 secondes. On prend 43 personnes qui représentent une seconde par personne. Et il se baisse comme le client. Parce que t'en penses, viens. 43ème, tu buzzes. Eh, les gars, on rajoute un nain et une femme nue. J'aime bien. Ce qui se passe, tu prends un mec qui travaille dans la génie de la clim, c'est hyper important. Et si le mec il fait 43 secondes, il repart avec un iPad. D'accord. Je pense que c'est le truc à faire. Mais un iPad de la fille qui arrive, ou la fille de truc. Ok, d'accord. Tu mets deux TikTokeuses. On rajoute 3 hommes nus. 3 hommes nus. 4 hommes nus. Allez, c'est bon. On est d'accord. Et bien entendu, t'expliques la règle au moment du jeu, donc tu n'y arrives pas. Lisa, quand le jeu a commencé, je te jure c'est vrai, quand j'ai dit 3, 2, 1, j'ai vu passer un corbillard. Le corbillard qui avait les épreuves au cimetière des épreuves, tu vois ce que je veux dire. Je pense que ce jeu, ça aurait été le jeu le plus rapide de l'histoire. Le cimetière ou pas? Comment? Il y a le cimetière ou pas? Non, regarde. Vous allez sur Twitter et je veux que le hashtag rend l'iPad soit numéro 1. Tout le monde met du rend l'iPad, on veut rendre l'iPad, il n'y a pas de raison. C'est hyper rend l'iPad.
Rends l'iPad, c'est hyper bon. Si, ce, si ça, c'est en TT, je deviens fou. Eh ben, on va tout faire pour que ce soit en TT. Hashtag rends l'iPad. Bon, alors, je vous propose une nouvelle épreuve. Oh, putain. Je kiffe cette émission. C'est quoi? On va faire une petite pause, si vous êtes d'accord. On va accueillir Tic et Toc. Venez, Tic et Toc. C'est qu'on fasse comme à l'ancienne des intermèdes et on va les regarder danser. On va pas, même pas danser avec elle, on va les laisser danser la choré qui était prévue. Pendant 43 secondes. Mais par contre, vous vous arrêtez. Pendant 43 secondes, vous allez buzzer. Qui a choisi le chiffre? Elle doit danser et buzzer. Qui a choisi ce chiffre? Ramène le buzzer. Ramène le buzzer. Merci Fred. Merci Fred. J'en ai mal à la tête. Rien fait de l'émission, on a fait que d'un. On a toujours pas commencé l'émission. Hein. J'ai jamais vu ça. Ça fait une heure qu'on a commencé. Ça fait 45 minutes qu'on a démarré. Le premier truc des ans, t'as présenté le frère d'Antarine pendant un quart d'heure. C'est vrai qu'on a... On a toujours pas fait l'épreuve. Écoute, on est toujours dans la continuité de la présentation du frère. À 43 secondes, alors c'est le principe. Oh putain. Il y en a une de vous deux, Julie. Dans la Corée, il faut buzzer. D'accord. Musique. Elle est top. Le bas du toit est bien bombé. Elle est top. Tout le monde veut la gérer. Elle est top. Elle veut que nous regarder. Mais je tombe. Qu'est-ce qu'elle est tombe. Qu'est-ce qu'elle est tombe. Il est 4 heures passées. Faut que je rentre chez moi. Moi je peux pas rentrer seul. Des belles tours dans la boîte. Il s'agit de faire la journée. À 26 secondes, trop tôt. En tout cas, merci Julie. Merci à Fanny Bébé. Merci Jean-Claude. Donc, est-ce qu'on l'emmène au cimetière ou est-ce qu'on la garde celle-là? On va la retravailler. Oui. Pas aujourd'hui. Ouais, pas aujourd'hui. Mais on va la retravailler pour une prochaine session. Et je m'y engage. Regardez-moi, vous tous. Je vous réinviterai la même équipe. Non, merci. On l'a fait. Non, le pile-poil. Pile-poil 2. Pile-poil.